bientôt, Inch'Allah. Brûlé dans l'âme, brûlé dans l'âme, si t'as taille right, brûlé dans l'âme. Si, si, on the road of thy strength, out of Zion, what's up, it's a fall line, and it's a defense. But me son, them gonna religion, God seek salvation. And what them achieve is condemnation. Them gonna religion, God seek salvation. I am not my friend, they want man with me son. C'est frère d'armes. Pah 357 symphonie pour Babas, 9-4. Pah, pah, pah. Je suis défoncé. On se 43, Yunich, un petit mot à dire, frère d'armes. Si, si. Ah, pas grand chose à dire. En septembre, on arrive, 357 symphonie, on se 43, Yunich, on passe, le rapide avance, on est là. Tu me balances un petit lyrics ou quoi? Vite fait, pour la famille, vas-y, vas-y. Le diable dans la peau, le genou devant la porte. Besançon, donc ben voilà, tu vois, on fait la promo direct, on représente. Donc il y a l'album de Frères d'Armes qui va sortir, Inch'Allah, bientôt, 357 Symphonie, à pas oublier, écoutez, comme tout, Mons 43, Yenich, la famille lyriciste, Rizzo, SOLO, le Chant des Loups en préparation, ça tout va bien, Acharné volume 1, normalement, qui arrive bientôt aussi, on fait la promo, donc on finit les bails, on gère ça bien, d'ici pas longtemps, Street Tape, Acharné volume 1, avec la famille, avec Frères d'Armes, tout le monde. Donc voilà. Donc en gros, Frères d'Armes, c'est qui? Frères d'Armes, en fait, c'est Echo, Illégal et Tungo. Des sauces. Donc Echo, il est dans le coin. Ouais. Donc ils ont finalisé l'album là, 357 Symphonie qui doit arriver bientôt, Inch'Allah, ça va bien. Tout se passe bien, donc les bails, ils avancent bien. Je représente, j'ai passé une dédicace pour Adam, rap impulsif. Il est là, pas oublié. Ouais. Si. Si. Donc ton projet, il y a combien de titres dedans, faut pas appeler. Sinon voilà, donc c'est Acharné volume 1, donc c'est une street tape. Mm-hmm. On a pris des phrases B, on a pris des instruments à nous. Ça veut dire on peut le télécharger sur le net ou quoi ça? En fait ouais, ça va être à télécharger. Net tape morceaux. En fait, ça. Il y aura des morceaux à télécharger, des morceaux qu'on va mettre sur le marché. Donc on va bloquer vraiment un format street tape mis sur le marché. Donc il y aura une vingtaine de titres pour 10 E. Ouais, ça va. On vole personne, on fait pas de machin, voilà. Dieu, histoire de rentabiliser le projet. On fait les bails, histoire de réinvestir aussi par la suite, Inch'Allah, dans un autre projet. Et voilà, à chaque fois, ça nous permet de rebondir. Donc, on vole pas les petits frères, on est là. Il y aura des morceaux gratuits à télécharger sur internet. Il y a, pour notre part, lyriciste, donc c'est moi-même, RTZ et SOLO, qui n'est pas là ce soir, mais je représente pour mon frère. Donc, voilà, il y a l'album Le Chant des Loups en préparation. Donc, il n'y a pas de date encore de prévu, on travaille sur le projet, on fait pour que ça avance, et puis voilà quoi. Si. Il y a Radmo aussi, Radmo, c'est la famille aussi, il n'est pas là ce soir, c'est la main mon frère. Radmo, bouteille de gaz, l'album est terminé, donc c'est pareil, gros projet, gros album lourd qui devrait pas tarder à arriver, donc c'est pareil, on fait du bruit pour la famille. Vous avez collaboré sur son projet, Radmo ou quoi? Radmo, il y a. Vous l'avez invité? Il y a Frère d'Armes dessus, il y a la famille, il y aura toute la famille, toute l'équipe. Ouais. C'est une connexion de byzantine, on va dire, ou pas? Radmo, c'est la famille, il y a lyriciste, il y a Frère d'Armes, il y a Radmo. Radmo, c'est un peu comme Frère d'Armes, c'est pareil. C'est la famille, c'est proche, donc voilà, c'est l'équipe. Il y a Feu, il y a Adam, donc voilà. Si. Sinon, à côté de ça, parle-moi plus précisément de Frère d'Armes. Ça fait combien de temps que vous êtes là, sur le bitume ou quoi? Moi, pour parler de frère, personnellement, je suis pas un frère d'armes, c'est la famille, moi je suis lyriciste.
Tu as parlé de frère d'armes, je me permettrai pas de parler de frère d'armes. Non, excuse-moi, j'avais cru comprendre que tu faisais partie de la connexion, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est toi, t'es en avis. Comme il y a écho, c'est pour ça que comme il y a écho, je préfère encore que écho. Ok, okay. Non, il n'y a pas de souci. Donc moi, je voudrais parler de toi uniquement là. Donc toi, t'es qui? Moi, c'est Rizzo. Rizzo. Rizzo tout seul. Rizzo, c'est moi-même. Tout seul. Je fais partie du groupe Lyriciste avec mon frère SOLO. Ok. Donc moi, personnellement, en préparation, bah, comme si j'ai mon street tape Acharné volume 1. Et après, il y a mon album solo, Inch'Allah, qui va arriver bientôt, point zéro. Je tape encore des sons. D'accord. Je mets ça carré vraiment bien pour rendre vraiment un bon travail. Donc alors, excuse-moi, ça fait combien de temps que tu es dans le Beura? Ou ça fait combien de temps que tu as pris conscience que avec tes textes, il y avait quelque chose à faire, en fait? Moi, si tu veux, ça fait 10 ans que je fais rap. Plus de 10 ans. Au début, voilà, on commence comme ça toujours, tac, on lâche un petit texte. Puis moi personnellement, c'est mon grand frère qui m'a mis dedans. Bravo, à l'époque, on a fait des bails, on a remis. C'est mon frère qui m'a mis dedans. Moi, voilà, j'ai perdu, j'étais petit. Peu à peu, voilà, au fil des années, j'ai travaillé ça comme un footballeur. Il aurait kické le ballon, comme un basketteur, il aurait fait des shoots. Voilà, j'ai kické ça, et puis petit à petit, voilà, à force de faire des morceaux et des frères qui disent, bah vas-y mon frère, parce que voilà, ce que tu fais, c'est pas de la merde. Et voilà, par rapport à ce qui sort, pour certains qui sortent, voilà, je pense pas faire de la merde. Je prétends pas être un gangster, je prétends pas être un voyou, je suis un mec simple. Voilà, simplement, je fais les choses simplement. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit de toute façon, la musique ça fait partie de moi-même, c'est la musique. Et même que ça marche ou ça marche pas, je m'en bats les reins, mon frère. Voilà, si ça marche, c'est bien, ça marche pas, je m'en bats les couilles. Je fais de la musique parce que ça m'apporte du bien. Ça m'apporte un bien-être qui fait que qui m'aide à avancer dans les problèmes, dans les épreuves. Et voilà, c'est tout. Après, ça marche, c'est bien, c'est vrai, kiff, tant mieux. Tranquille, mais c'est pour moi-même déjà avant tout, c'est ma thérapie, ça me permet d'avancer. Puis voilà quoi, si ça peut faire bien après, bien sûr, je vais pas fermer, mais ouais, ça marche, hein, mais non, ça marche, bien sûr, je vais être content, mais voilà, c'est tout. Je vais pas, c'est pas pour ça, je vais changer, ou machin, je m'en bats les couilles. Si ça marchait bien, ça marche pas, je continuerai à faire du son parce que je kiffe ça. Mais... Là, il y a l'album, si, représente la famille, Iricis, frère d'armes, explicite, verdasse. Si, Babas, 9-4, 2-5, bra. Adam, rapapulsif.com, www.rapapulsif.com. Si, la famille. Tic, bra, frère d'armes. On est là, 25, pour le 9-4. 25 au 9-4, mon frère. On est là, 357 symphonies. Pop, marche comme un homme, t'en pas ton cul. Magique, massif, classique, tragique, boy, ça va. Chasse dans les calcium, Mazi, Kim, Mali, Mike, Fizz, invasion, 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 Maz
On va faire un petit comeback en arrière. Vas-y, gros. Pas trop s'étendre non plus sur ce qui s'est passé, mais plus sur l'actualité. Sur ce qui va se passer, quoi. Vas-y, voilà. Ouais. Mais voilà, juste pour te présenter en quelques mots, Babas, tu viens du 9-4, Villefeuille. Yes, moi c'est Babas, Babseba, Escobar, Eke, Bazooka. Toujours voilà. Un petit pushka pour les petites poucas. Et voilà, je viens du 9-4, Villefeuille. Je viens pour donner de la force au frelon et j'apporte un rap nouveau. Et voilà, t'as vu. Je suis un mec qui aime pas trop parler de moi parce que je suis un mec de l'ombre, je suis caché dans les coins sombres, comme on peut dire, avec les poteaux et on fait du petit boulot. Maintenant, ça va sortir le 18 mai dans les bacs. Et voilà, avis aux amateurs de bon son, et voilà, achetez l'album, écoutez, donnez des critiques et vous verrez que c'est pas... C'est clair. Ça change. C'est clair, gros son lourd. On a pu notamment découvrir, on a fait tourner des sons avec GTA, Ghetto Trio Associé. Si, si. T'as apparu aussi sur la mixtape aussi de Aketo. Si, si, ouais. Voilà, et Niroshima, on parlait aussi hors antenne. Ouais. Un petit peu de tout ça. Donc voilà, parle-nous un petit peu comment ça se passe, les copines, comment tu te places un peu là-dedans, c'est les contacts. C'est... Bah, t'as vu, ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de compilations. Mais comme je t'ai dit, moi je suis un mec qui reste un petit peu dans mon coin. Là je bouge, c'est nouveau, faut m'applaudir, faut sortir le champagne les frères, parce que là je suis venu à Besançon et je suis déterminé gros. Donc voilà, après c'est les contacts, les gens ils aiment bien le morceau, ils aiment bien mon délire, ils m'invitent pour des compilations. Et moi t'as vu, les mecs ils sont OP comme moi, je refuse pas, on fait le boulot, on fait le morceau et voilà t'as vu. Tant que l'instru est bonne, ça kick. Tant que l'instru est bonne et les mecs ils ont une bonne mentalité, c'est des vrais bonhommes et on fait le boulot. Ok, donc après tu sais, tu t'es compilé, t'as arrêté un petit peu de rapper, tu t'es mis un petit peu à part. Et c'est là que t'as commencé vraiment à écrire pour l'album. Voilà, parce que t'as vu maintenant c'est bien de faire les compilations, de poser à gauche à droite, les mecs ils te reconnaissent, etc. Mais... tu vois, personnellement, il faut sortir son projet à personnel, on va dire, t'as vu. Donc moi, j'ai voulu me concentrer sur le street album. Et maintenant, il est en bonne et due forme. Voilà, gros. Voilà. Brûlé dans l'âme. Ça arrive le 18 mai. Donc comme je disais à l'instant, il y avait aussi le son Villefeuille aussi qui a vraiment bien aussi tourné. C'est vrai que Villefeuille, c'est un style un peu différent, t'as vu. Parce que moi j'ai voulu arriver avec un style différent de ce qui se fait en ce moment. Et donc on est parti sur ça, on est parti même sur le clip carbonisé, un petit clip à... Si, avec Yonka. Voilà, à 1000$ tout ça. Et on a fait des petits trucs pas mal et les gens ils ont bien suivi, donc ça fait plaisir et ça me donne la patate pour pas lâcher l'affaire gros. C'est clair. Bah écoute, parle-nous un petit peu justement de... Du nouveau projet, ce que t'as voulu transmettre comme message dans... Bah, un street album, hein, t'as vu, c'est pour me faire connaître et plus reconnaître par les gens qui me connaissent pas. Donc il y a des morceaux que toi tu connais ou d'autres reconnaissent, plus il y a des inédits. Donc il y a pas mal de morceaux comme Bordélique, Villefeuille dont tu m'as parlé, le morceau avec Aketo qui sont dedans, plus des autres inédits qu'on a fait. Artisanal, fait maison, dans une petite cave, avec tout ce qui va avec, gros. D'accord, vraiment à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, gros. J'espère que les gens vont le ressentir comme ça, parce qu'on l'a fait comme ça, gros. Et au niveau des prods, c'est qui s'occupait de ça? Il y a un peu Big Nas. Ouais, il y a Big Nas, il y a Will Star aussi. Grand respect à Will Star, t'as vu, qui fait des bonnes prods. Il y a Gengis, il y a des autres qui sont pas connus. Il y a même Ironside qui m'a fait une prod dedans, gros. D'accord, Donc, on s'est fait plaisir, t'as vu. Okay. On a suivi le son et on a fait ce qu'il fallait faire et j'espère que ça va. C'est aller. Ça avant tout la musique, je pense que c'est avant ça. Tout de se faire plaisir. Et si toi tu t'es fait plaisir, tu feras plaisir aussi à l'auditeur. Ouais, je pense que c'est plus comme ça. Quand tu veux trop faire plaisir aux gens, ça passe mal. Et quand tu te fais plaisir personnellement, les gens ils ressentent plus. On dirait. Ok, il y a des feats dans l'album, on pourra retrouver. Ouais, on pourra retrouver Rimka en l'occurrence. Alpha 520, ouais, Rimka avec Carbo, Alpha 520 dans le morceau Miskin avec Ironside. Ironside, Larsen, même un mec du Queens qui s'appelle Absulja qui est venu poser en carry pour moi, ça fait plaisir. Et donc voilà, il y a pas mal de trucs intéressants et voilà, faut écouter. Ok, donc c'est Babas, 9-4, le titre c'est... Brûlé dans l'âme, ça arrive le 18 mai. Donc je vais te poser la question comme je fais d'habitude, je vais te laisser choisir le titre que tu veux bien nous présenter pour te faire découvrir, pour te faire découvrir aux auditeurs. D'accord, ben t'as vu, comme il y a pas mal de titres que vous connaissez, on va prendre le titre Miskin avec Alpha, tout ça, c'est le numéro 9, t'as vu. Et voilà, pour que les gens ils écoutent un peu le bordel qu'on a pu faire sur ce morceau. Ok, donc tu rappelles juste le titre. Brûlé dans l'âme, gros. Ok, juste le temps qu'on cale ça sur les platines, ouais. C'est Mamène.
Babas du 9-4, photo, c'est du lourd. L'équipe derrière, il y a un rap impulsif aussi, ils sont là ce soir. Donc voilà, un gros big up à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Ça va enchaîner sur Babas, tu rappelles le titre juste le temps de faire Miskin, la numéro 9, Miskin avec Iron 5, Alpha 520 et Boula Eurofrein. Bra, ça, Babas. Ok, 9-4, c'est ça. Comment ça, Alpha? N'est pas dans le Val de Marne, je suis avec Barsova, Escoba, Bazooka, je suis avec Black Kula, elle enseigne de Biscana, Ross Rocket et Bazooka, ne nous aime que j'en parle. Quand on parle peu, plus jamais on lèche du cœur. On a le sang des braves qui traversent les lignes de feu. Les hommes passent des clics-clics, sont remplis de bouts de fer. Un peu à la guérie, j'ai dû rapper du succès. On n'écoute personne, c'est ça le truc. C'est clair. On se fait plaisir, c'est ça le bro. C'est ça la base du truc. Si on fait les choses pour que ça passe à la télé, ça soit truc et tout, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc on pourra te retrouver sur les sites. Donc je pense un big up aussi à Adam qui est là. Rap bien sûr, sur rapimpulsif.com pour retrouver mon actualité, les sons que j'ai faits, voilà quoi, les nouveaux sons récents, peut-être des interviews, vidéos, etc. Voilà. Sur Bouscapé aussi, sur Rapdoka. Sur MySpace Babas, sur Facebook Babas Escobar, sur Skyblog Babas, officiel, Zik, tout le bazar, partout. Vous tapez Babas 9-4, vous allez trouver le phénomène. Sur le moteur de recherche, de toute façon, voilà. Tu tapes Babas, tu vas trouver. Vous allez trouver. Si vous voyez un mec avec une queue de cheval, c'est pas moi, gros. Parce qu'il y a des Babas chelous, c'est pas moi, photo. Moi, okay, je suis Babas Escobar. C'est bien aussi de l'indiquer, tu vois, après. Ah, ouais. Non, on est là. C'est 9-4, c'est Billfeuge. C'est ça, gros. C'est brûlé dans l'âme. C'est ça. Écoute, je vais juste te demander de choisir un titre pour nous faire vraiment découvrir l'album. Ensuite, on va faire une petite pause musicale et ensuite on enchaînera sur la session freestyle. Y'a pas de problème, gros, y'a pas de problème. Bah, j'hésite entre deux morceaux, poteau. Y'a trop de morceaux, gros. J'hésite entre des morceaux qui changent vraiment. Y'a un morceau qui s'appelle Metal, que j'aime bien. Et un morceau qui s'appelle Paris New York, que j'aime bien. C'est des morceaux qui me ressemblent pas par rapport aux gens, tu vois, qui sont un peu étonnés. Ben, on va passer métal, c'est un morceau cool, mais il faut écouter. Ça, c'est pour mes frères enfermés, écoutez les frères. Ok, ben écoute, juste me dis... La numéro 6, mon frère. La 6, poteau, ok. Ben écoute, on répète juste ta dédicace avant d'enchaîner le titre. Ça, c'est pour tous mes frères emprisonnés. Écoutez, gros, et... Rap impulsif. Ouais. Ok, c'est Babas 9-4 en direct live. 9-4 qui s'en sort dans son métal. Commence par un petit bras pour nos stations totales. A fini par une hada séquestrée dans un local. Un pas de moral et pas de pénal. Le boss du ghetto qui s'en sort grâce au métal. Tôt ou tard, il en paiera les frais, tôt ou tard. Qui vit par les armes, périra par les armes. Qui vit par les femmes, périra par les flammes. Qui vit par la cam, périra par la cam. Il est dans la cam, braqué par la bac. Gosse du ghetto qui s'en sort grâce au métal. Aïe aïe aïe. J'ai des idées, on n'est pas du cadre, il est hard. On s'en sort grâce à un groupe avec vous, il est hard. On s'élume et moi contre Dietz, pas du cinéma. La pupille noire brille derrière l'œil de Judas. Une pile de livres de cul cachée sous ton matelas. Gosse du ghetto, qu'est-ce t'as fait? T'as fait ta halle. T'es chaud, t'as pas volé pour calme et t'as pris la banane. Ton pain avec tes bananes, tes sauces sont ta pataya. C'est ta femme et ta face, aïe, c'est tes PC. Disperse nos tubes, puis t'as plus rien à cirer. Direct au but, les prix baissent au pur. Crier on dort plus, on est tous ripères. En possession d'un aller simple. Pour le cimetière, la vie doit lever mon cul. Tchit, 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 blam, 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 yeah. Absoba, Escobar, a.k.a. Bazooka, yo. Moi j'ai une boule dans le vent. J'ai envie de faire du mal aux gens. Pas la gaïra pour faire genre. Je suis brûlé dans l'âme, chaque seconde, chaque heure, chaque jour me rembarre. Impossible de sortir de l'impasse, j'ai une boule dans le vent. J'ai envie de faire du mal aux gens, je bois la caille avant de faire genre. Je suis brûlé dans l'âme, chaque seconde, chaque heure, chaque jour me rembarre. Impossible de sortir de l'impasse, tant mort, l'histoire se répète encore, Sodome et Gomorre. Les hommes couchent en trois, se prosternent devant des ports en or. Où j'ai atterri, c'est pas terrible, alors le soir je rêve de mettre une balle dans la tête du chéri. La justice, sa mère, le dernier juge que j'ai vu, s'est fait trouver avec une fille, est en train de se faire ses sous. Bras-dessus, bras-dessous, parce qu'ils ont pas de plus, et nous pas de sous. Ils seraient me coups, c'est vos fils de pute.
j'ai du mal à assimiler les idées reçues. Moi j'ai la rage, prends garde à la morsure. Et quand je suis mort sous, mort fou, mort flou, crie au secours. Et sous tes larmes, ta mort, boy, joue pas les boys school. T'es un bonhomme ou un chewing-gum. Ma vie c'est pas un sitcom, petite conne, bouffe de rien devant tes pop-corn. Moi j'ai une boule dans le vent, je prends le sol à avoir une boule dans le vent. Et les bâtards, je mets tous dans le vent. J'ai envie de faire du mal aux gens, je joue pas la carrière pour faire genre. Vite bouge, 9-4. Aïe 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 aïe. J'arrive dans le ghetto avec mon père. Là je croise tous mes crèves la fin. 10 Rizzo, donne-nous un bout de rose. J'leur dis les gars, vous êtes au moins 14. Mais bon, chez nous, on est plus 30 à table. Et si il faut même on ramène des rames. Alors j'fais pas de manière, chacun casse la route. Ça graille, ça rigole et chacun trace sa route. J'leur dis une bouche, mais j'tombe sur plus plus. Le mec, il est ouf, il est pas à cause. Il dit que pour un gramme, il dit ça. Omar m'appelle, me dit négro, y'a plus de péché sur moi, y'a pire, le dernier qui est en crise. Un type, il vient me dire que c'est tout péra. Quand on est samedi à la salle, c'est les mêmes qui péra. Vous demandez pourquoi je pleure plus que c'était mieux avant. Et j'étais là pour l'appel quand ils pensaient que tout c'était avant. 18h sous le hall, j'ai mes petites affaires. De la jambe compressée dans des petits sachets. Ma mère me dit, Rizzo, tu rates mon jeu. Et tu ne sortiras pas avant que ta chambre soit arrangée. Je dis, maman, arrête, y'a le bonheur qui se marque, c'est la tombe. Tu m'affiches comme un joueur dans une gare. Je me lève et c'est sur les dents.